Bonjour à tous, bonjour à tous les visio-spectateurs. Nous sommes réunis, et puis peut-être surtout merci aux organisateurs des Printemps de l'Écho, qui nous permettent d'aborder un sujet extrêmement important, avec la question suivante: les géants de la gestion d'actifs ont-ils pris le pouvoir? Avec autour de la table Catherine Lubochinski, enfin sur le podium plutôt, dirons-nous, professeure à l'Université Paris 2, Panthéon Assas, spécialiste des questions de régulation financière et membre du cercle des économistes. À côté de moi également Tristan Auvray, maître de conférence à l'Université Paris 13, spécialisé sur les questions de gouvernance notamment. Et puis, bientôt connecté depuis Athènes, Philippa Chatzis-Avrou, professeure de sciences politiques à l'Université d'Athènes et chercheuse à l'Institut Eliamep et spécialiste des questions de gouvernance européenne et notamment des enjeux de soft power, toutes les formes d'influence politique douce. Alors, le sujet, bien sûr, a été imaginé dans le monde d'avant, c'est-à-dire il y a un an. Et il était conçu pour être en phase avec le thème général des printemps de l'économie qui sont devenus les printemps de l'automne. La question, évidemment, guerre et paix. Nous étions alors, je le rappelle, en plein psychodrame de la réforme des retraites. Ça nous paraît déjà très, très loin. Et puis la presse était pénétré, envahi de discours un petit peu conspirationnistes peut-être, sur les multiples rencontres qu'avait eues l'exécutif, les différents rendez-vous d'Emmanuel Macron, du gouvernement, avec les représentants de BlackRock notamment, avec pas mal de petits événements assez précis, hein, de rencontres bien, bien réelles qui s'étaient produites en amont et pendant, y compris avec le haut commissaire chargé de la réforme des retraites. Donc effectivement, il y avait de quoi créer un petit peu de sensation et peut-être d'animer une forme de paranoïa autour de cette influence. Alors pourquoi le rattacher à la thématique de la guerre? Parce qu'il y a la guerre classique et puis il y a la guerre de l'ombre, bien entendu. Or, précisément, ces acteurs sont des acteurs de l'ombre. Du shadow banking, si on prend une version extrêmement large de ce que ça peut représenter. Ce sont des gestionnaires d'actifs qui agissent, alors si je prends une vision un peu industrialiste, un peu en sous-traitance, hein, des grands investisseurs institutionnels que sont les assurances, les fonds de pension, les banques d'investissement, avec pour mission de gérer des portefeuilles, d'arbitrer, etc. Alors, ces acteurs agissent pour le compte de tiers, ils ne portent pas directement des risques, a priori. Mais comme cela se produit pour certaines industries, il arrive que les sous-traitants, tout d'un coup, prennent une importance et puis deviennent les pivots, hein, d'un écosystème. Et c'est un peu la question qu'on peut se poser. Ça s'est passé dans l'automobile, par exemple, avec les équipementiers. Ça se passe avec le e-commerce, etc. Ces acteurs ont grossi, énormément grossi, se sont concentrés. Je pense que Catherine nous donnera quelques éléments sur ces éléments-là. Et puis, voilà, on est... Finalement, pour quelqu'un de ma génération, on est un petit peu dans la question des envahisseurs, hein, de ce feuilleton des années 60, où tout d'un coup, on se réveille et on se rend compte que notre société est sous le contrôle d'envahisseurs, avec l'auriculaire raide, ce qui est certainement la première question que je poserai pour savoir si c'est à ça qu'on reconnaît un salarié de BlackRock. Mais pour être plus sérieux, je balaye juste 3-4 questions, juste pour lancer les choses. Ces acteurs sont supposés passifs, se contentent de placements minoritaires, essaimés, ils gèrent des portefeuilles. Mais est-ce qu'ils ne seraient pas devenus, compte tenu de leur taille, des market makers, faisant et de faisant les rois de la cote, et surtout lorsqu'on voit l'extrême hétérogénéité des valorisations aux États-Unis, où on voit bien que certains secteurs ont explosé en termes de valeur, tout ce qui relève des technos, du e-commerce, de la santé, etc., tandis que d'autres s'enfoncent,
si on compare tout ça au pic de 2007 en particulier, on voit des écarts extraordinaires. Est-ce que tout ça ne configure pas l'économie réelle et permet à certains secteurs de prendre l'ascendant hein, en termes de concentration, d'acquisition et de prise de pouvoir en fait, sur les chaînes de valeur? C'est une première question. Donc, quel est l'impact sur l'économie réelle de ce type d'arbitrage? De par leur taille, bien sûr, leurs investissements finissent par s'étendre sur l'ensemble des secteurs. Est-ce que tout ça ne nuit pas à la concurrence? Est-ce qu'au fond, ces investisseurs ont intérêt à la concurrence entre les différents acteurs? Est-ce qu'ils ne jouent pas quelque part une rente de monopole et une concentration sur les différents secteurs? Beaucoup d'autres questions encore, mais évidemment, très simple, quand on gère des dizaines de milliards d'actifs, est-ce qu'on n'a pas davantage l'oreille du prince que lorsqu'on est un représentant de salariés ou même du patronat hein? Évidemment, on a tous un peu en tête les petites danses du ventre des différents nouveaux élus, fraîchement élus des gouvernements européens qui reçoivent ces investisseurs pour leur dire comment la boutique est belle et comment les réformes fiscales leur sont favorables. Et puis, je dirais, il y a une chose qui est tout à fait manifeste aujourd'hui, c'est qu'on traverse des crises considérables. Et finalement, la seule chose qui n'est pas pénalisée dans ces secousses, c'est la valorisation des actifs. Ou en tout cas, très momentanément, c'est une des choses qui résiste le mieux, alors que c'est supposé être un des éléments les plus fragiles. Et là, on a l'impression qu'on est prêt un peu à toutes les transgressions, taux zéro, achats directs par les banques centrales, quantitative easing, etc., pour maintenir tout ça en état d'apesanteur. Et évidemment, se pose la question pourquoi nos politiques sont à ce point-là dirigées vers cette protection de la valeur des patrimoines. Et puis, il y a toutes ces coopérations que l'on voit, ces missions de conseil auprès des banquiers centraux, auprès des différents gouvernements en difficulté, les gouvernements grecs, irlandais, etc., qui posent la question là aussi de comment joue cette influence et est-ce que quelque part on ne pervertit pas le jeu démocratique à travers ce type de conseil. Voilà, je pourrais énumérer, mais je terminerai aussi sur une grande paranoïa autour de cette coopération qui s'organise entre Google et BlackRock sur l'intelligence artificielle. On va tous dire, on va parler d'Aladdin, cette fameuse intelligence artificielle de BlackRock, dont au fond on ne connaît pas grand-chose, si ce n'est que quelque part, on a le sentiment qu'ils détiennent là un hyper-pouvoir, comme s'ils étaient un acteur capable de rompre la symétrie d'information que normalement il y a entre un investisseur et le marché. On sait que c'est vraiment des outils de gestion de big data qui permettent de rentrer assez finement dans des micro-informations qui peuvent être riches de conséquences et qui permettent de se retirer de certaines boîtes ou de rentrer, etc. Enfin voilà, j'ai balayé. Et évidemment, à travers mes questions, j'ai l'impression d'emblée de faire une sorte de procès à charge. Et on sait à quel point notre période est favorable à la dénonciation des boucs, enfin à la recherche des boucs émissaires. C'est une période complotiste. Alors évidemment, je me tourne du côté de Catherine, qui va nous faire entendre raison, j'en suis sûr. Bon, au fond, voilà, j'ai balayé beaucoup de choses. Et en disant ces choses-là, mes questions sont toutes sauf neutres. Mais bon, que sont réellement ces acteurs? Est-ce que la taille pose véritablement problème? Est-ce qu'on est... Voilà. Et je me souviens d'une émission hein, d'il y a un an sur Xerfi Canal. Vous aviez, je me souviens, qu'on parlait des risques, des grands risques sur le marché. Et vous aviez évidemment survolé, mais pointé cette question de la concentration des fonds de gestion, enfin, des gestionnaires d'actifs. Quelle mémoire. Alors oui, évidemment, la taille est importante, chacun le sait, mais il n'y a pas que la taille qui compte, finalement, hein, on va dire. Alors, les géants de la gestion d'actifs, j'ai oublié un mot dans ma première slide, ont-ils pris le pouvoir? C'est une bonne question, mais c'est une question qu'on aurait pu poser de façon plus globale. Les géants de la finance ont-ils pris le pouvoir? Parce qu'on sait que... Il y a de très, très grandes banques internationales également. Et le pendant de BlackRock qu'on a tendance à stigmatiser, ce serait par exemple Goldman Sachs. Hein, c'est aussi le vilain canard. Où on aurait pu très bien aussi poser la question, les géants du numérique ont-ils pris le pouvoir, hein, c'est une question, en fait, qu'on peut poser pour plusieurs industries parce que depuis quelques dizaines d'années, il y a un phénomène indéniable de concentration
entre tous les acteurs de l'économie financière ou de l'économie réelle et qui s'est accentuée au cours des 10-15 dernières années. Alors, donc ça, c'est un premier point. Bon. C'est vrai que là, quand on pose cette question-là, on se réfère à la taille. Mais ça suppose qu'on dispose d'une bonne mesure de la taille. C'est quoi la taille ? Alors, est-ce que c'est le bilan des banques ou est-ce que c'est la taille de leurs fonds propres, par exemple, pour les banques ? Pour les gérants d'actifs, est-ce que c'est la quantité d'actifs sous gestion ou est-ce que c'est le pourcentage des droits de vote dans les assemblées générales ? Alors, vous me direz, les deux ne sont pas totalement interdépendants, mais poser la question d'une façon ou de l'autre n'appelle pas les mêmes réponses. Sachant que pour les gérants d'actifs, je voudrais rappeler que les actifs sous gestion ne leur appartiennent pas, ils appartiennent aux investisseurs finaux, alors soit aux investisseurs institutionnels qui constituent l'essentiel des investisseurs des gérants d'actifs, soit les particuliers, hein, quand vous, plus tard, quand vous ferez des économies, vous placerez vos économies dans des OPCVM, dans des SICAV, voilà, vous serez un investisseur d'une... voilà, et vous passerez par une société de gestion probablement. Alors il y a donc ce critère de taille, mais surtout il faut regarder ce critère de taille en termes relatifs. Hein, la taille d'une société de gestion par rapport à la taille d'une entreprise ou la dette détenue par une société de gestion sur un pays par rapport à la dette totale de ce pays-là. Hein, j'y reviendrai un petit peu. Donc il faut bien raisonner toujours en finance en termes relatifs, enfin en économie. Alors il y a deux autres critères importants. Le premier sont les interconnexions qu'il peut y avoir, parce qu'elles créent évidemment des interdépendances qui peuvent poser des risques. Alors on a bien vu ça au moment de la crise financière avec les banques et les interconnexions entre banques, mais il y a de plus en plus d'interconnexions entre banques et non-banques, et dans ces non-banques, on trouve les gérants d'actifs, les fonds d'investissement. Et il y a même, ce qu'on oublie parfois de souligner, de très fortes interdépendances ou interconnexions entre les gérants les sociétés de gestion d'actifs. Par exemple, Vanguard, qui est la numéro 2, je vous montrerai dans le classement tout à l'heure, est détenue, hein, son capital est détenu à hauteur de 12-13% par BlackRock. Donc là aussi, il y a des interconnexions qui posent des problèmes en termes de risque, mais qui posent aussi des problèmes en termes d'influence, hein, puisqu'il y a éventuellement dépendance. Et deuxième point que je voulais faire avant de démarrer, deuxième critère, sont les activités transfrontalières. Parce que pour notre thème, ce qui inquiète, c'est l'influence de sociétés étrangères sur nos sociétés à la maison. Hein, dans un contexte, vous avez dit, un peu de souverainisme qui ressort. C'est ça qui va inquiéter, ou même les gouvernements nationaux. Alors, et on voit bien que pour une entreprise domestique nationale donnée, on n'a pas besoin d'avoir un géant en face, on a simplement besoin d'avoir un gérant d'actifs étranger, entre guillemets, qui détient une proportion suffisante des actions pour influencer la stratégie de l'entreprise. Pour les gouvernements, je pense que Philippa nous en parlera beaucoup mieux que moi, on voit bien aussi que si ces gérants d'actifs détiennent une proportion de la dette publique très élevée, bah, ils vont peut-être pouvoir dire quelque chose. Hein. Philippa nous expliquera que la Grèce a beaucoup donné. Alors il faut savoir que ces réseaux d'influence ne passent pas que par la taille. Dans toutes les grandes entreprises, qu'elles soient de l'économie financière, enfin, du monde de la finance ou d'économie réelle, les grands dirigeants sont souvent passés par le service public, par des cabinets ministériels, par le secteur public. Et donc après, vous avez une espèce d'économie des réseaux, en fait, c'est du réseautage, tout le monde se connaît. Et donc, il y a mille et une façons de pouvoir s'influencer. Ce n'est pas simplement par la taille. Alors, pour un très bref rappel, vous vous rappelez la taille de la finance, vous avez la répartition entre la finance bancaire et la finance, enfin, finance intermédiaire par les banques et la finance intermédiaire non bancaire, qui est le nouveau nom donné par le Financial Stability Board à ce qu'on appelait avant la finance de l'ombre, mais qui n'était pas très explicite. Donc là, on voit bien, c'est la finance intermédiaire par des non-banques. Et là, déjà, ça permet d'avoir une première approche pour analyser le poids relatif des acteurs via leur détention d'actifs financiers globaux dans le monde. Alors évidemment, le chiffre en valeur absolue donne le tournis. On ne parle plus en milliards maintenant en finance, on parle en milliers de milliards, c'est-à-dire en trillions. Donc,
On voit que le total des actifs financiers dans le monde, c'est 379 trillions de dollars. C'est à peu près à la louche, hein, ces chiffres, hein, 78, parce que le rapport va sortir voilà, ces jours-ci, mais pas encore sorti, le prochain. C'est à peu près 4 fois le PIB mondial, donc l'activité économique réelle mondiale. Donc on comprend qu'il y a un problème de taille. Mais surtout, ce qui est important avec ce tableau, c'est qu'on voit que la part des banques dans la détention de ces actifs financiers est maintenant inférieure à la part de la détention des actifs financiers par les acteurs non bancaires. Hein, c'est 39% contre 48,5%. Et parmi ces derniers, on trouve certains gérants d'actifs, mais bon, pas tous. Bon. Ce qui est important ici de retenir, encore une fois, si on avait un tableau historique, on verrait bien, c'est le poids croissant des acteurs non bancaires. Alors, quelle est donc la taille des géants de la gestion d'actifs, des sociétés de gestion d'actifs, c'est-à-dire celles qui offrent des produits de gestion collective? Vous avez là les 10 plus gros gérants d'actifs au monde. En juin 2020, on retrouve le même classement, c'est-à-dire les célèbres BlackRock, Vanguard et Fidelity, donc les trois Américains. Alors, BlackRock à lui seul, j'ai les chiffres de juin 2020, 7,3 trillions de dollars. Vous vous dites, bah, c'est tellement d'argent qu'on ne se rend pas bien compte. Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Dette publique française, c'est combien? C'est 2,6 trillions d'euros. Si BlackRock le voulait, presque détenir toute la dette publique. On comprend que là, en termes relatifs, ça fasse peur. Le total des fonds de pension en Europe, et qui sont essentiellement au Royaume-Uni, hein, donc en Europe au sens large, c'est 8,3 trillions de dollars. Encore, ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est simplement presque autant que les actifs sous gestion de BlackRock. Donc, on peut se dire, c'est beaucoup. Et si on veut trouver la première société de gestion d'actifs française, il faut descendre à la 10e place, où on trouve, maintenant 10e place au mois de juin, où on trouve Amundi, qui gère 1,8 trillion de dollars et qui résulte aussi de fusion et de croissance externe et interne. Bon. Donc ça, c'est la taille et la concentration. Ben, les trois premières d'entre elles représentent 19% des actifs sous gestion des 500 plus gros gérants d'actifs. Okay. Donc à elles seules, à trois, presque 20%. Donc effectivement, il y a beaucoup de concentration. En mars de cette année, 1%, je dis bien 1%, des sociétés de gestion d'actifs géraient 61% des actifs sous gestion de l'ensemble des sociétés de gestion. Donc le phénomène de concentration des richesses au sens large, ça ne concerne pas que les inégalités de revenus, ça concerne aussi la taille des acteurs. Donc là encore, ça confirme un phénomène de concentration très forte et on comprend bien pourquoi dans la gestion d'actifs, cette tendance a lieu, c'est parce qu'on peut facilement réaliser des économies d'échelle avec des rendements croissants, surtout dans ce qu'on appelle la gestion passive, c'est-à-dire la gestion indicielle, où les gérants répliquent les indices boursiers et donc n'ont pas grand-chose à faire, des machines peuvent le faire, et là, il y a évidemment des économies d'échelle. Bon. Il y a une autre raison aussi qui explique la course à la taille. Vous avez certains travaux académiques qui montrent bien que ça procure un avantage en termes d'attractivité. Alors, pour vous faire comprendre ce phénomène, en 2018, 80% des souscriptions de fonds chez les gérants d'actifs américains se sont orientées chez les 10 plus gros, sont allées vers les 10 plus gros. Pourquoi? Ils sont connus, il y a la taille, il y a la réputation, il y a tout ce que vous voulez, et donc, vous allez à peu près vers la facilité, quoi. Donc là, vous avez un petit graphique qui vous résume ce phénomène de concentration où on voit bien que les 10 premiers gérants d'actifs font 35% de la gestion, ont 35% des actifs sous gestion. Et donc, ça permet de comprendre quand vous avez un de ces gros gérants d'actifs comme BlackRock qui détient une trentaine de milliards d'euros de la dette publique française. On comprend qu'il soit effectivement
bien traitées, c'est-à-dire que toute personne qui a un besoin de financement va aller voir des créanciers divers et variés en montrant qu'elle est la mariée la plus belle. Enfin, c'est la règle du jeu, il n'y a rien de surprenant à ce phénomène-là. Ce qui est plus gênant, c'est quand ces gros acteurs de la finance essayent de capter le régulateur par des dépenses de lobbying importantes, on le voit bien à Bruxelles, ça se chiffre en centaines de millions. Et donc, quand il y a un déséquilibre de pouvoir entre les deux, là, effectivement, ça peut poser problème. Alors, il y a un autre... j'ai encore quelques minutes. Oui. Il y a un autre phénomène intéressant, c'est que ce n'est pas tellement la taille des actifs sous gestion, même si c'est très important, comme je vous l'ai signalé, mais c'est les droits de vote. Les droits de vote dans les entreprises. Vous avez une étude qui a été réalisée en 2019 par Bechluck et Hirst sur les droits de vote. Alors, on me dirait, une société de gestion d'actifs n'est pas propriétaire des actions qu'elle gère. Ce sont les investisseurs finaux. Mais en général, les investisseurs finaux donnent pouvoir mécaniquement aux gérants d'actifs qui vont alors aller aux assemblées générales et exercer leur droit de vote. Et les droits de vote donnent donc du pouvoir aux gérants d'actifs. Vous avez, si vous prenez les trois premiers gérants d'actifs, qui encore une fois sont américains, hein, en moyenne, ils détiennent 20% des droits de vote des entreprises de l'indice Standard & Poor's 500. Ça, c'est les droits de vote. Mais si, comme de nombreux particuliers, par exemple, ne vont pas voter, quand vous raisonnez en termes de pourcentage des votes exprimés, effectués, eh bien, ce pourcentage des droits de vote monte à 25%. Donc, il représente, en gros, un quart des pouvoirs de l'Assemblée générale. Et là, on comprend qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts si les objectifs ne sont pas alignés. On comprend le poids accru des investisseurs dans la gestion des entreprises, dans les stratégies des entreprises. On peut comprendre pourquoi, je ne dis pas que ça excuse, mais on peut comprendre pourquoi certaines entreprises vont privilégier le court terme pour améliorer le rendement sur fonds propres de leur société, afin que leurs actions soient plus facilement acquises par ces grandes sociétés de gestion, etc., etc. Et tout ça au détriment du long terme. Alors, bien sûr, Les sociétés de gestion d'actifs ont des objectifs en termes environnementaux, sociaux, etc. Il est très important de regarder ce qu'elles font effectivement en utilisant leur droit de vote par rapport à ce qu'elles annoncent, hein, parce qu'on annonce toujours des choses très belles. Dernier point pour terminer donc. On parle des sociétés de gestion d'actifs, mais ça peut recouvrir un univers, enfin c'est un univers assez hétérogène. Et si on entend les entreprises de gestion d'actifs au sens large, vous avez des fonds d'investissement qui sont bien plus risqués en termes de gouvernance que les gérants d'actifs, ce sont les fonds dits activistes. Et les fonds activistes, quand vous regardez l'encours des actifs sous gestion, il est beaucoup plus faible. Mais encore une fois, il a beau être beaucoup plus faible, quelques dizaines ou voire centaines de milliards d'euros, il est beaucoup plus faible, mais par rapport aux fonds propres d'une entreprise, c'est beaucoup. Et ça suffit pour intervenir, de exiger éventuellement des postes d'administrateur ou intervenir. Vous avez suivi la presse, voilà. Donc, un, ne pas se tromper de cible. Deux, analyser vraiment le comportement des fonds, pas regarder juste quelques chiffres. Et même avec de la gestion passive, bien comprendre que ces gérants de fonds peuvent faire de la gestion active ou influencer activement la gestion des entreprises. Voilà. Merci Catherine. Alors ce que je comprends, c'est qu'ils ont potentiellement du pouvoir. Ils peuvent l'exercer. Il faut le regarder de plus près. Alors justement, Tristan, lorsqu'on regarde cette interaction entre les fonds et les boîtes, qu'est-ce qu'on peut observer du côté de la gouvernance ? Alors là, je demanderai Catherine, est-ce qu'on peut revenir sur la slide justement sur les droits de vote ?
Bien sûr, sur, je te la prête. Et voilà, parfait. C'est, je vais partir de celle-ci, parce que là, c'est vraiment là, ce qui fait entièrement débat aujourd'hui aux États-Unis, c'est justement cette concentration dans les entreprises. Parce qu'en effet, bon, bah, ça a été dit, hein, c'est déjà un pouvoir de concentration extrême au niveau global, au niveau de la gestion d'actifs mondial. Enfin, BlackRock, c'est 5%, il tient 5% des actions dans le monde. C'est vraiment un pouvoir de concentration extrêmement important, qui se transcrit ici donc sur la propriété des actions des entreprises. Et là, ici, ça a été dit, ce qui compte aussi en Assemblée générale d'actionnaires où vont voter ces acteurs, c'est l'abstention. Et dans les 500 plus grosses boîtes américaines, il y a 20% d'abstention à peu près, donc 80% d'actions votantes. Sur les 3000 plus grosses entreprises, donc là qui sont en bas du tableau, il y a 30% d'abstention. Ce qui fait que ça va donner du pouvoir à ces acteurs. Bon, généralement, en Assemblée générale, les résolutions qui sont votées, elles sont acceptées à 90%. Donc, on pourrait se dire, bon, bah, finalement, tout le monde approuve comme ça les décisions proposées par le management ou même d'autres résolutions proposées par les actionnaires. Mais en fait, il faut bien se rendre compte ici que ces trois acteurs, ou même, là, on se focalise sur les big three, mais on pourrait regarder le top 10 aussi. Ce qui est important, c'est toute la gestion d'actifs dans son ensemble. On se rend compte que ces trois acteurs et surtout les 10 premiers grands gestionnaires d'actifs ont un rôle pivot en Assemblée générale. Parce que quand le niveau d'abstention est de 20 ou 30%, bah ça veut dire qu'il suffit d'obtenir 40% ou 35% des actions pour avoir la majorité. Or, quand les trois premiers détiennent 20% des actions, si on prend les 10 premiers, on a 30% des actions, on voit qu'on est sur ce qu'on appelle des actionnaires pivots, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire basculer une majorité en faveur d'une décision ou contre cette décision. Donc là, ici, ils jouent clairement en Assemblée générale un rôle très important. Il y a un deuxième point par lequel ils jouent un rôle important. C'est que ces actionnaires ont des actions dans des centaines, voire des milliers d'entreprises dans le monde. Et ils n'ont pas le temps de voter eux-mêmes pour ça. Donc, ils font appel à des sociétés, ce qu'on appelle des proxy advisors, qui vont soit leur suggérer le vote, soit voter pour eux. La plus grande d'entre elles, c'est Institutional Shareholder Service au niveau mondial. En France, on a Proxinvest. Et ces sociétés, ces proxy advisors, donc, qui vont voter pour des gestionnaires d'actifs, ceux qui sont affichés ici, mais aussi d'autres, vont avoir tendance aussi à uniformiser les votes qui vont se dérouler en Assemblée générale. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Alors, je vais nuancer un petit peu ce propos, parce qu'aux États-Unis, on ne peut pas vraiment dire ça. Notamment, les trois indiqués ici, BlackRock, Vanguard et State Street, ils conservent quand même leur autonomie dans leurs décisions de vote. Quand on regarde les recommandations de vote d'Institutional Shareholder Service, qui valident à 90% les résolutions votées en Assemblée générale, BlackRock va en valider que 40%, Vanguard 70%, State Street 30%. Donc ils ne votent pas de la même manière. Ça c'est valable pour les États-Unis. On peut avoir une idée de pourquoi ils font ça, parce qu'ils viennent des États-Unis, ils connaissent un petit peu le monde, les élites économiques et politiques des États-Unis, et ils sont en contact permanent avec les dirigeants de ces grandes entreprises. Ça c'est certain. Il y a eu des études qui ont été faites sur le cas des États-Unis. Donc, ce n'est pas des gestionnaires d'actifs indépendants, là, c'est des gestionnaires d'actifs filiales de banque. Et il a été montré que, grâce à leur participation dans les entreprises non financières, les banques, par leur activité de gestion d'actifs, sont représentées au conseil d'administration des sociétés non financières. Donc, il y a vraiment des liens étroits et une implication des grands investisseurs aux États-Unis dans la gouvernance des entreprises. Ça, c'est certain. En Europe, c'est un peu différent. En Europe, si on compare les votes de BlackRock, Vanguard, des grands investisseurs institutionnels, avec les recommandations des proxy advisors, elles sont quasiment similaires. 90% des résolutions aussi vont être validées, par exemple, par 90% des résolutions votées en Assemblée générale vont être validées par un proxy advisor comme l'Institutional Shareholder Service, et ça va être la même proportion pour BlackRock, Vanguard et State Street. Donc ça veut dire que dans des pays où ils sont moins proches
où ils ont moins de proximité géographique, organisationnelle avec les dirigeants des entreprises, ils vont davantage suivre les conseils de ces grandes sociétés de conseil, de ces sociétés de vote. Et là, il y a quand même un danger d'uniformisation des votes, et surtout dans un sens particulier, celui de la création de valeur pour l'actionnaire. Si on regarde les décisions, pourquoi Institutional Shareholder Service ou d'autres vont voter contre certaines résolutions en Assemblée générale. Généralement, quand on regarde le détail de ces, l'argumentaire de ces sociétés, ils expliquent, bon, c'est très bien, il y a une rentabilité qui a augmenté, mais, par exemple, il n'y a pas eu assez de cash pour les actionnaires. Enfin, ce qu'on appelle le free cash flow, quoi. Le cash qui reste après avoir fait de l'investissement. Donc ça veut dire qu'en gros, souvent, par exemple, ils vont voter contre la rémunération d'un dirigeant. C'est ce qui s'était passé pour Carlos Ghosn en France en 2015. C'était Proxinvest qui avait voté contre la rémunération de 15 milliards de Carlos Ghosn, sous le prétexte qu'il n'y avait pas assez de free cash flow. Donc en gros, il aurait fallu que la société réduise son investissement pour verser, pour avoir plus de cash disponible pour les actionnaires. Donc il est là le danger, en fait, ici, au niveau de la gouvernance des entreprises. Donc ça, c'est le premier point vraiment sur comment ces actionnaires vont voter en Assemblée générale. Ensuite, il y a un deuxième point sur l'effet concret sur les industries. Et là, il y a plusieurs travaux qui ont été menés là-dessus et qui sont assez édifiants parce qu'ils montrent très bien que quand ces grands investisseurs sont présents massivement dans une industrie, on a une augmentation des tarifs pour les consommateurs dans cette industrie. Ça a été montré pour l'industrie du transport aérien, mais aussi dans la banque et la finance. Et donc, ce qui était dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait aussi des participations croisées entre ces grands investisseurs. Il y a BlackRock qui détient 12% de Vanguard. Donc, il y a ces participations croisées. Il y a tout un jeu de participation financière qui fait que ces acteurs sont en position de quasiment de... Ben voilà, avec des participations de 25% dans ces entreprises. Et donc, ils ont... Alors, on ne sait pas quel est le mécanisme par lequel ça permet une augmentation des prix, mais en fait, il y a une explication très simple. C'est que quand on est actionnaire individuel d'une entreprise, on a intérêt que cette entreprise, pour gagner des parts de marché, par exemple, elle se fasse concurrence par les prix. Mais quand on détient toutes les entreprises d'une industrie, on a intérêt à ce que les prix de toute l'industrie augmentent. Et c'est exactement ce qui se passe dans plusieurs industries. Et même maintenant, les dirigeants sont incités à ce type de pratique, parce qu'il a été montré aussi que les rémunérations des dirigeants ne sont pas corrélées à leur performance individuelle dans la firme, mais elles sont corrélées à la performance globale de l'industrie. Donc, ce dont les dirigeants ont intérêt, c'est la performance globale de l'industrie, ce qui est vraiment l'intérêt de ces grands actionnaires. Et un dernier point, pour faire le lien entre justement cette tendance à la monopolisation, à l'oligopole dans plein de secteurs. Ici, on a vraiment un couplage entre la constitution d'un oligopole chez ces investisseurs financiers et la constitution d'un oligopole au niveau des industries. Généralement, quand il y a une fusion et acquisition entre deux grandes entreprises, c'est peu rentable pour la firme qui acquiert une entreprise cible. Mais si on détient à la fois l'acquéreur et la cible, et qu'on détient toutes les firmes dans une industrie, et là, ça peut s'avérer rentable. Et c'est ce qui se passe. Les fusions et acquisitions ont un effet positif sur la rentabilité de l'industrie en général. Et donc, la concentration au niveau financier, elle pousse aussi à la concentration au niveau industriel, à ce niveau-là. Voilà, je finirai là-dessus. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on voit là aussi... Une influence potentielle forte, et ce que j'entends, c'est sur la structuration, et notamment, ce qui est très intéressant, c'est sur le mouvement de concentration qui aujourd'hui qui a été pointé par Catherine, et qui, quelque part, on voit, peut être cohérent avec l'intérêt et l'intérêt de ces fonds à partir du moment où ils couvrent toute une industrie. Je bascule quand même sur la question, et j'ai demandé à une politologue, pour une fois, pour ouvrir la question, qui est, puisque finalement nous demandons, bon, on a compris que potentiellement il y a une influence, un pouvoir même de modelage sur l'économie réelle, sur la concentration. On n'a pas dit qu'il était forcément utilisé à mauvais escient, d'ailleurs. Mais alors, comment, vu du monde des politologues, cette influence, ce métier de conseil, cette connivence dont a parlé Catherine avec les élites,
comment cet objet est considéré, au fond, et quelles questions ça pose ? Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Très bien. Avec okay. Un petit décalage, comme alors, à la télé. Je suis contente d'être parmi vous. Je passe directement à essayer de répondre à cette question assez compliquée, puisque, en fait, on va dire que pour les politologues, en tout cas pour le moment, c'est un champ peu exploré, mais je pense que ça va prendre de l'ampleur aussi dans l'analyse politique, le rôle de ce genre d'acteurs, parce que justement, deviennent des acteurs politiques, je pense, à mon sens, et je pense qu'il y a plein de collègues qui voient la chose comme ça. Du coup, il faut se poser la question, est-ce que les gestionnaires d'actifs, comme BlackRock, par exemple, qui a joué un rôle colossal en Grèce pendant la dernière décennie, c'est des acteurs, en fait, emblématiques aussi, qui ont un rôle à jouer dans les affaires publiques. De l'expérience qu'on a eue en Grèce, la réponse est très clairement oui. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut un peu, pour un politiste, pour un politologue, il faut un peu développer la réflexion au-delà, en fait, de l'activité classique, on va dire, de ce genre d'acteur, qui est la gestion d'actifs, en fait, de voir un peu plus comment le conseil, comment, en fait, ils utilisent l'activité du conseil pour accroître leur influence. Alors, on va dire qu'il y a la branche investissement et la branche conseil, si on peut faire cette distinction. Et pour la branche conseil, ce qu'on a vu aussi en Grèce, qui était largement discuté et analysé, par exemple, BlackRock a fait un travail de longue haleine concernant la santé des banques grecques, hein, de l'audit bancaire. Ça, c'était une des activités importantes dans lesquelles elle a été impliquée. Et l'autre, c'était, elle a proposé des services de conseil au gouvernement grec pendant la crise et du coup la question s'est posée le rôle de ces acteurs par rapport aux exécutifs. C'est vrai que cette casquette là, la branche conseil, était moins visible, en tout cas pour nous politistes, depuis auparavant. En Grèce, ça fait exception parce que la situation était telle que il y a eu beaucoup plus de discussions et d'inquiétudes autour de cette question et comment on intègre ce genre d'acteurs dans le jeu démocratique. Mais je pense qu'en Europe, le grand détonateur a été cette décision de la Commission il y a quelques mois, en avril 2020, de choisir la société BlackRock pour justement rédiger un rapport sur l'intégration des facteurs environnementaux et sociaux dans la supervision des banques. Alors, il s'agit en fait de préparer de la législation en matière de surveillance bancaire. Et cette décision de la Commission, en fait, ça a été ça provoquait énormément de réactions. La société civile, hein, les acteurs de la société civile en Europe se sont activés avec beaucoup d'énergie, parce que je pense que c'est un moment, il y a un peu une prise de conscience, en tout cas pour les acteurs qui sont dans le jeu politique, et dans la société civile aussi, une prise de conscience que ces acteurs-là, en fait, veulent jouer un rôle politique et même l'afficher, ce qui n'était pas le cas auparavant. Par exemple, en Grèce, pendant les premières années, il n'y avait pas encore cette prise de conscience que ces acteurs ont aussi un rôle politique à jouer. Je pense que cette décision de la Commission remet un peu la question au centre de l'attention et les choses vont changer à partir de maintenant aussi. Je pense aussi en matière de recherche académique. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que même la médiatrice européenne, Emily O'Reilly, a demandé une enquête, elle a ouvert une enquête, pour voir dans quelles conditions ce contrat a été octroyé à BlackRock par la Commission européenne en juillet dernier. Et le Parlement européen a aussi réagi. Il y a eu des questions parlementaires à ce sujet-là, qui montrent aussi une certaine inquiétude. Voilà, ça c'est un contexte actuel, mais qui... Si on reprend le fil des choses dès le début, en fait, moi, ce que je remarque, c'est que la crise de 2008-2010 en Europe a été une forme de tremplin pour ce genre d'acteurs, pour ce type d'acteurs. Ça leur a permis de s'installer dans le paysage européen, d'accroître leur légitimité d'experts techniques, mais pas seulement, aussi de conseillers politiques. Et ce n'est pas la même chose. Et c'est ça, c'est ce déplacement de l'expertise technique
au conseil politique qui change un peu la donne. Alors, en fait, on remarque deux choses pendant la crise de 2010 en Europe, et particulièrement en Grèce, c'était très clair ça. On remarque deux choses. Première chose, c'est qu'il y a un manque de crédibilité d'institutions publiques à gérer la crise correctement. Et c'est ce manque-là qui fait que les gouvernements, et particulièrement le gouvernement grec, mais pas seulement aussi en Irlande, en Angleterre, en Espagne, vont faire appel à ce genre d'acteurs parce qu'ils sont en demande d'input, d'expertise qu'ils ne peuvent pas produire eux-mêmes. C'est comme ça alors que dans le cas de la crise grecque particulièrement, et sous la pression de la Troïka, bien sûr dans un cadre tout à fait légal, n'est-ce pas, les programmes d'ajustement structurel, on va voir une constellation d'acteurs de ce type-là, d'institutions financières, bancaires, mais aussi non bancaires, qui vont être impliquées de façon super active, de différentes sortes. Ils vont être considérés être une sorte de gilet de sauvetage pour sortir le pays du marasme économique. Alors, du coup, ce n'est pas que BlackRock qu'on va retrouver dans cette constellation-là, il y a d'autres acteurs, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en tout cas, différents acteurs qui font partie des institutions financières vont travailler avec le gouvernement grec, vont faire, les plus classiques vont faire du conseil stratégique, qui est une activité classique, mais pas seulement, il y aura des fonds qui vont s'activer. Et du coup, ils vont participer d'abord pour encadrer les gouvernements et proposer en fait le contenu de la politique économique du pays. Ils vont aussi faire des études en matière de politique publique et ils vont aussi participer à des consultations auprès des gouvernements et des groupes de travail. Alors, il y a des acteurs qui vont s'afficher très clairement dès le début. Par exemple, il y a même des structures formelles qui se sont créées autour de toutes ces énergies qui sont mises ensemble. Par exemple, il y a le Conseil grec de la gouvernance d'entreprise qui va être créé, qui va réunir en fait des acteurs de la finance. Et là, on va retrouver par exemple JP Morgan qui s'affiche très clairement. On va aussi voir la Fédération des entreprises travailler très ouvertement avec des banques qui sont dans le conseil stratégique. Alors, BlackRock, par contre, elle ne s'affiche pas dès le début, clairement. En fait, elle reste très discrète, l'entité reste très discrète. Elle va même adopter un autre nom, une fois installée en Grèce, de Solar. Ça montre bien qu'il y a un principe de confidentialité, en fait. Ce qui n'est pas très bon en fait pour la transparence, et c'était pas évident de comprendre dès le début comment les choses vont se faire. Et qu'est-ce qu'elle va faire, je raconte très rapidement le job de BlackRock. Bien sûr, il y a trois axes. Le premier axe, c'est bien sûr les stress tests qu'elle va faire. Elle va être sollicitée par la Banque centrale grecque 6 fois. Pendant la gouvernance le gouvernement de Syriza, une fois, ça aurait été rejeté parce que justement, il y a eu la question du conflit d'intérêts s'est soulevée de façon beaucoup plus importante. Mais en général, on va dire, c'était quand même, c'était un acteur qui est devenu un acteur du paysage politique grec, très clairement. Deuxième axe, c'était bien sûr les gros problèmes des prêts rouges en Grèce, qui est un problème qui continue à être très, très grave et qu'on a aussi vu en Espagne. Ça concerne en fait l'évaluation des portefeuilles des prêts des banques grecques. Et là, en fait, il s'agit des portefeuilles avec des créances très douteuses. Ce sont en grande partie des actifs immobiliers. Et là, voilà, il fallait faire une stratégie de gestion de ces créances douteuses, surtout pour les quatre banques commerciales les plus grandes. Voilà. Et le troisième axe, c'est vraiment du conseil pur. Des recherches, des études pour les gouvernements grecs pour voir un peu comment les plans de privatisation en Grèce devraient se poursuivre et quel type de politique économique serait bénéfique pour le pays. Du coup, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a en fait un acteur, BlackRock, parce que c'est quand même l'acteur phare par rapport, je veux dire, aux autres gestionnaires d'actifs dans le cas, Philippa, dans le contexte grec. Oui. Tu m'entends? Une ou deux minutes. Hein. Oui, bien sûr.
qui est conseiller de gouvernement en matière d'obligations et d'autres produits d'investissement. Et en même temps, lui-même, il est actionnaire des formules d'investissement qui gèrent des produits de ce type. Du coup, cette double casquette, en fait, pose quand même un problème. En tout cas, du point de vue politique, ça pose un problème, mais je pense aussi du point de vue économique. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ces deux casquettes sont compatibles? Parce qu'en fait, on peut gérer des actifs, hein, investir, et en même temps conseiller des États et aussi des organisations comme l'Union européenne, qui est une organisation confédérale. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts? Est-ce qu'il n'y a pas concurrence déloyale? Est-ce qu'il n'y a pas violation de la législation européenne? Alors, pour beaucoup de politistes et de juristes, la réponse est oui, très clairement. Et voilà, quelle est la réponse de la part de ces acteurs-là? Ce qu'ils répondent, c'est que d'abord, les deux branches, la branche conseil et la branche investissement sont complètement différentes. Il y a un mur entre ces deux branches. Et deuxièmement, ils parlent ils utilisent le terme de ségrégation physique des activités pour expliquer en fait que l'information ne peut pas circuler entre les deux branches. Ce qui est très difficile en même temps d'imaginer ça, parce que plus on monte au sommet de la logique organisationnelle, normalement, si on pense avec le sens commun, en fait, quelque part, les structures ont tendance à fusionner et du coup, les formations sont partagées. Ce qui veut dire qu'en fait, sachant aussi que les gestionnaires de ce type-là ont ce que les économistes appellent une puissance horizontale, hein, parce qu'ils sont ils ont des participations dans différentes entreprises d'un même secteur, on peut continuer, enfin, ce qui a été déjà dit sur la question de la concentration des monopoles. On peut faire les liens qui peuvent nous soulever beaucoup d'inquiétudes. Du coup, je finis en disant qu'aujourd'hui, ce genre d'acteurs, et surtout BlackRock, que j'ai un peu regardé de plus près pour voir qu'est-ce que BlackRock fait, par exemple, à Bruxelles. Catherine a un peu évoqué ça. Effectivement, ils ont une stratégie d'influence qui est de plus en plus importante, qu'on doit suivre de près. Ils font du networking avec les élites politiques et administratives. Ils ont une politique de recrutement très intéressante qui montre que les portes tournantes, ce grand problème en fait, hein, des gens qui ont des positions publiques se retrouvent après dans le privé, ils peuvent utiliser toute l'expertise qu'ils ont. Ils vont aussi en fait, essayer de recruter des gens qui étaient par exemple l'ex-ministre britannique Osborne, il se retrouve dans BlackRock. Pareil en Grèce, ils ont recruté un Grec qui a une expertise très importante dans le capital investissement auparavant et qui a aussi travaillé pour le gouvernement grec pour le plan de privatisation. Alors, ils cherchent à recruter les bonnes personnes, et ce qui veut dire qu'ils ont une activité lobbying avec des sommes qui sont maintenant assez importantes si on compare par rapport au début des années 2010. Aujourd'hui, ça va jusqu'à 1,5 million, dernier chiffre que j'ai trouvé pour 2018. Ce qui est assez important, ce n'est pas encore Google, mais c'est pas mal aussi. Et ce qui veut dire que la question, voilà, je conclue avec ça, qu'on doit se dire, c'est que sûrement, c'est des gestionnaires d'actifs indépendants, entre guillemets, qui sont moyennement régulés parce que leur régulation ne peut se faire pour le moment que par des autorités microprudentielles, mais c'est aussi des acteurs politiques de plus en plus clairement affichés. Et sur ce niveau-là, il n'y a aucune possibilité de les réguler. C'est très intéressant de voir leur profil sur le registre de transparence de Bruxelles, où en fait, ils disent très clairement qu'ils ont des objectifs politiques, ils veulent participer au débat politique. Et voilà, la question est ouverte. Merci, voilà. Philippa. Voilà. Merci. Là, on a vu véritablement, effectivement, la frontière délicate. Et alors, moi, je ne vais pas m'aventurer, mais j'entends, enfin, surtout, je ne veux pas de... un procès ruineux pour mon compte, mais on se dit, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas très proche de quasiment d'un délit d'initié à travers des activités de conseil, où finalement, on est en train d'organiser une sorte de liquidation judiciaire d'un pays en difficulté, et on est en même temps investisseur. Je pousse volontairement loin, je vous ai dit, hein, je fais le procès à charge et modéré, et puis je sais, Catherine, que vous vouliez compléter, réagir sur un point. Oui, non, je crois que Philippe a souligné un des problèmes fondamentaux, qui est celui lié à l'existence de conflits d'intérêts hein, qu'on retrouve en économie et qui a été flagrant avec les sociétés d'audit
qui faisait l'audit et le conseil, et qu'on a obligé à se scinder en deux, parce que sinon, on avait bien compris que c'était ingérable, ces conflits d'intérêts. Parce que, effectivement, comme le dit Philippa, quand vous avez une mission d'expertise ou de conseil, vous avez accès à de l'information qui a de la caractéristique d'être une information dite privilégiée au sens des marchés financiers. Et comment après on peut être sûr que cette information privilégiée reste bien cantonnée dans la petite cellule qui a fait le conseil. Et là, on voit bien que c'est quasiment impossible. Il y a de la dissémination de l'information. Donc, je dirais que les gérants d'actifs ont le droit d'avoir des opinions, comme tout le monde, comme les agences de notation qui se permettent de noter les États. Ce sont des agences de notation, ce sont des entreprises privées qui mettent une note aux États. Mais ces agences de notation ne font aucun investissement. Donc, ça n'a aucune conséquence financière sur leur activité. Et c'est là où il y a la différence avec les gérants d'actifs. C'est que, eux, leur conseil va avoir des conséquences sur leur activité. Et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment étudier, sans leur jeter la pierre. On peut bien comprendre que quand on détient X% de la dette publique d'un pays, on ait envie de dire à ce pays, attention, vous exagérez par-ci. On le comprend intuitivement, ce sont les créanciers. Donc les créanciers ont le droit d'avoir une opinion. Et donc la frontière est très ténue entre captation des régulateurs, captation de la sphère politique. Et je pense que là, effectivement, il faut faire de la régulation plus poussée sur ces gérants d'actifs, comme la régulation bancaire a fait des progrès après la crise financière. Oui, effectivement, donc on voit bien que là, il y a une zone de régulation. Tu reprendras bien sûr ton idée, mais avec une question derrière tout ça, parce que j'ai été frappé dans ton exposé de dire, bon, au fond, bon, ils ont un pouvoir à l'intérieur, mais malgré tout, en surface, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont voter l'essentiel des résolutions. Moi, ma question, c'est, on vit dans un monde quand même où, avec des taux zéro, on est quand même le modèle shareholder value a une longue vie. C'est-à-dire on continue à demander aux fonds propres des rentabilités à deux chiffres. C'est un petit peu une anomalie par rapport à notre vision idéale. Et je sais à quel point la question de l'effet de levier et à quel point Catherine est sensible à cette question. Mais est-ce qu'au fond, leur principal pouvoir sur les boîtes, c'est pas de finalement d'être des gardiens du temple, et au fond ils ont une option exit surtout, c'est-à-dire ils n'ont pas, est-ce qu'ils ont besoin de voter, mais est-ce que surtout, est-ce que les directions d'entreprise, lorsqu'ils présentent des stratégies au fond qui sont validées à 90%, n'ont pas déjà internalisé les objectifs, et au fond voilà, est-ce que c'est pas ça le véritable pouvoir, c'est-à-dire le fait que depuis 20 ans on vit avec des rendements des fonds propres à deux chiffres et des taux zéro qui font qu'on est quand même sur une formidable machine à fabriquer du levier et des choses bizarres, on va dire. Si oui, là, c'est entièrement vrai. Enfin, là, il y a un phénomène qui est très réel aux États-Unis, c'est l'utilisation justement du levier d'endettement avec des taux d'intérêt très bas pour faire la distribution aux actionnaires. Ça, c'est très bien documenté. Enfin, les firmes s'endettent pour distribuer du cash aux actionnaires. Donc là-dessus, c'est vrai que ce modèle-là, il a encore de belles perspectives devant lui et qui est entièrement internalisé par les boîtes. Alors sur BlackRock et sur ces acteurs-là en général, est-ce qu'ils ont un pouvoir d'exit qui menacerait les dirigeants, ou est-ce que les dirigeants finalement des entreprises ont internalisé totalement ce discours de la rentabilité pour l'actionnaire? Moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose d'un peu nouveau là depuis un ou deux ans. C'est que, alors, depuis 2014 pour BlackRock, qui envoie chaque année aux grands dirigeants des entreprises une lettre pour leur dire « Il faut adopter une perspective de long terme pour votre industrie. Il faut prévoir la rentabilité sur des dizaines d'années. Le court-termisme, c'est fini, quoi, en fait. » Et il y a ce discours-là maintenant. Alors, des années 80, 90, 2000, c'était l'idéologie du court-termisme. Il faut créer de la valeur rapide pour l'actionnaire immédiatement. Mais du fait des nouvelles positions qu'ils obtiennent maintenant sur les marchés, ils ont un autre discours vis-à-vis des dirigeants qui peut bien leur plaire aussi, et qu'ils internalisent aussi de cette manière, qui est de dire,
développer à long terme votre industrie, on va vous accompagner là-dedans. Finalement, oui, ils ont une possibilité d'exit, mais c'est une option qu'ils n'exercent pas, parce qu'ils ont surtout besoin de diversifier leur portefeuille. Donc, ils sont présents partout, et l'option d'exit, elle se concrétise pas réellement. Et donc, ici, ce qui se passe, c'est que par la constitution d'oligopole, par la constitution d'oligopole au niveau de l'industrie, c'est comme ça que ça se concrétise. Pour le long terme, ça se comprend très bien, c'est créer de la valeur pour l'actionnaire au détriment, par exemple, du consommateur. La question reste à savoir si ça se fait au détriment des employés ou de l'investissement de la firme elle-même aussi. Parce que la perspective de long terme de BlackRock, il a exposé dans une lettre aussi en 2017, il dit, par exemple, nous, chez BlackRock, on a dû licencier 3000 employés pour envisager justement le long terme. Donc après, si on peut tout justifier par le long terme aussi, il faut voir dans quelle mesure ça peut se faire. Okay. Je pense qu'on arrive quand même sur la fin de la session, me semble-t-il, à moins que je commette une erreur. Vous remuez de la tête dans le public nombreux de la salle. On a encore 2-3 minutes. Ok. Ok, très bien, parfait. Olivier ? Les questions, si quelqu'un voulait m'aider, je dois avoir un petit problème de réception, mais moi, les questions, je n'en manque pas de toute façon. Je voudrais quand même revenir, parce que ce qui est bien dans une session, c'est. On voit bien, on a fait un tableau, on a beaucoup d'éléments. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me souviens d'une des premières phases de Catherine qui nous dit il y a beaucoup de gros acteurs susceptibles sur lesquels on peut se poser la question finalement du pouvoir. Ce qui veut dire quelque part, ça invalide un petit peu. C'est-à-dire, c'est pas la prise de pouvoir des fonds de gestion d'actifs. C'est un jeu, on le comprend, beaucoup plus complexe, beaucoup plus sous. Mais bon, je voudrais quand même ramener à l'économie réelle. On voit, il y a un enjeu quand même qui est très important, je trouve, c'est qu'on voit, à travers le dirigeant d'ailleurs de BlackRock également, il y a tout un discours qui se crée autour des questions environnementales, de la grande bascule des énergies fossiles vers le renouvelable. Et vous m'avez répliqué, c'est de la gestion indicielle. Non. Sauf que gestion indicielle, c'était l'option exit. À laquelle vous avez fait référence, en disant comme il y a une grande partie des fonds qui sont sous forme de gestion indicielle, les gérants d'actifs sont obligés d'acheter les entreprises qui composent l'indice. Oui. Donc il y a moins cette option exit. Oui, d'accord. Mais en même temps, ils ne sont pas présents partout. Et si je ne me trompe pas, enfin, il y a des boîtes du CAC 40 ou du SP500 et le logiciel hyper perfectionné qui est que constitue Aladdin, me semble-t-il, est aussi un outil pour repérer les zones d'investissement un peu dangereuses sur lesquelles les fonds ne se mettent pas. Alors, si vous voulez d'ailleurs parler de cet élément, moi, ça m'intéresse aussi, de savoir comment cet outil intervient. Mais c'est surtout, quelque part, il y a une vision du monde et je reviendrai à une des premières questions que j'avais posées quand même. Je suis quand même frappé. On nous dit quelque part la gestion d'actifs, c'est très indiciel. Quelque part, tous ces fonds détiennent 5% de tout le monde. Quand on prend l'agrégation du portefeuille géré, au fond, elle est elle-même relativement essaimée, répartie avec des parts importantes. Il n'empêche que on a quand même, le marché se fait à un moment donné, le prix se fait, et j'ai été frappé de voir comment dans les années 80-90, nous disions tous, il y a beaucoup de corrélation dans la formation des prix, et comment depuis quelques années, il n'y a plus du tout de corrélation, c'est-à-dire il y a vraiment des secteurs qui ont des dynamiques extrêmement différentes les unes des autres, et quand je regarde la dynamique du SP500, elle est frappante, et surtout avec l'éclairage du Covid aujourd'hui, de se dire qu'au fond, il y a trois secteurs phares qui sont dans le SP500, c'est les tech, Google, les GAFAM, la santé et le e-commerce. C'est-à-dire les trois secteurs qui au fond, d'ailleurs, ont triomphé quelque part avec le Covid. Je ne suis pas du tout en train de dire que le virus a été inoculé par je ne sais qui ou je ne sais quoi, bien sûr. C'est véritablement pour dire, d'où est-ce que ces fonds finalement, n'ont pas un pouvoir d'influence sur l'économie réelle, sur les grandes orientations. Est-ce qu'on peut se contenter de ce discours? Finalement, ces fonds sont passifs relativement et globalement jouent comme des gestionnaires indiciels. Alors, il y a quand même beaucoup de questions là. Oui, donc, j'en profite. Je vais couvrir les questions que je ne reçois pas.
Je vais juste répondre à deux, trois éléments sur notamment sur le fait que il y a une influence sur l'économie réelle. Ça, enfin, moi, je pense que c'est certain à travers des effets sur les prix pour les consommateurs, les effets sur les fusions, acquisitions, etc. Pour moi, il y a pas de doute là-dessus. Après, je pense qu'il ne faut pas que ce soit ces trois-là, BlackRock, Vanguard, State Street. Faut pas que c'est l'arbre qui cache un peu la forêt quand même. L'industrie de la gestion d'actifs, elle est faite d'une dizaine, une centaine d'acteurs très importants et qui ont tous aussi intérêt un petit peu à ce que demande BlackRock, quelque part. Là, c'est pour rebondir aussi sur le débat sur les délits d'initiés, les conflits d'intérêts qu'il pourrait y avoir entre BlackRock, le pouvoir politique et ses stratégies d'investissement. Quand BlackRock fait une note pour recommander au gouvernement français de passer à un système de retraite par points, par exemple, ça c'est Bruno Le Maire qui avait dit ça. Il avait dit c'est pas BlackRock que ça va bénéficier, c'est AXA par exemple. C'est AXA, c'est le premier fournisseur de produits d'assurance vie en France et c'est le premier qui va en bénéficier. Donc on peut pas appeler ça un amendement BlackRock. Quoi, en fait. Et là, je suis assez d'accord avec ça en fait. Ils défendent leurs intérêts, mais ils défendent en fait les intérêts d'une industrie dans son ensemble. Et par là, enfin pour moi, je crois qu'ils ont un réel pouvoir sur les industries, sur les entreprises elles-mêmes, c'est incontestable. Quoi. Aux États-Unis, c'était très bien montré. Il reste beaucoup à faire en Europe aujourd'hui pour le savoir. Et ensuite, au niveau de l'influence politique, en fait, c'est quand même c'est un mouvement plus général. Ils ajoutent juste une pierre à l'édifice qui est construit depuis les années 80, qui consiste à libéraliser la finance et à construire des acteurs financiers de plus en plus grands. Mais ce n'est qu'une pierre supplémentaire à l'édifice. Vous vouliez ajouter quelque chose, parce que sinon, alors je reçois enfin les questions, mais j'ai quand même et qui peut concerner également Philippa. Donnez la parole. Qui est justement finalement, puisqu'on avait glissé ce sujet, qui était mais est-ce qu'au fond BlackRock, enfin les fonds de gestion d'actifs au sens large, ont-ils eu une influence politique sur les projets de réforme de retraite? Alors je dis pas forcément dans le cas français. On l'a un peu. Est-ce qu'on peut parler d'influence? Est-ce qu'on peut dire que ça, que ces fonds agissent, exercent un lobbying en faveur de la capitalisation? Un lobbying en faveur de la capitalisation, la différence entre système par capitalisation et par répartition, c'est que dans les pays où il y a un système par capitalisation, il y a beaucoup plus d'actifs sous gestion. Puisqu'au lieu de donner au fur et à mesure ce qu'on reçoit, on économise. Donc, automatiquement, les stocks augmentent. Donc là, oui, il y a un intérêt objectif à ce qu'il y ait plus de capitalisation. Ça ferait plus d'actifs financiers à gérer pour eux. Mais au-delà de ça, je veux dire, en France, il y a beaucoup d'acteurs français qui militent pour un système par capitalisation en plus du système de retraite par répartition de base. Il faut bien recadrer le débat à chaque fois. Et donc, c'est quand même un montant assez marginal pour les gérants de fonds américains. Ça intéresse, comme l'a très bien signalé Tristan, les gérants de fonds aussi français. Philippa, dans le cas grec, on sait si les acteurs financiers sont intervenus C'est absolument sûr qu'ils ont milité beaucoup pour qu'il y ait une réforme des pensions pour insérer l'idée de la capitalisation, qui est en train d'ailleurs de se faire actuellement. Le gouvernement actuel est en train de légiférer dans ce sens-là. Du coup, ça, c'est évident. Je voudrais juste rajouter, parce que j'ai bien aimé la dernière remarque concernant le fait que, évidemment, on ne va pas faire un procès d'intention. Ça serait trop naïf et ça serait une courte vue de voir les choses comme ça. Mais je dirais, moi, de ce que j'ai compris, c'est quand même qu'il y a un intérêt d'ensemble, c'est-à-dire ces acteurs-là, même si les propositions qu'ils font au gouvernement, que ce soit des gouvernements en difficulté économique ou pas, parce que, par exemple, BlackRock a aussi conseillé les gouvernements britanniques, a aussi travaillé avec les gouvernements hollandais, et particulièrement avec M. Dyson Bloom, qui a des relations très privilégiées avec cet acteur. Alors, du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que ce genre d'acteurs peuvent avoir des préférences politiques en général ? Et qui ne veulent pas forcément dire que toute proposition va leur apporter des gains de n'importe quelle sorte. Et c'est ça, moi, c'est dans ce sens-là que je me pose la question, et c'est pour ça que j'aime bien l'idée qu'il y a un intérêt d'ensemble, c'est-à-dire s'il y a des préférences politiques en faveur d'une certaine forme de régulation et pas d'une autre, s'il y a une préférence politique
en faveur de tel type de politique pour les actifs, par exemple, publics, quel type de privatisation, etc. Et que ça, en fait, c'est lié avec la façon après que les stratégies d'investissement vont se déployer, que ces acteurs peuvent entreprendre. Voilà, la question, je pense qu'elle peut se poser comme ça. Et donc, dans ce sens-là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent nous inquiéter dans l'avenir. Enfin, nous inquiéter, nous passionner, parce qu'en fait, je pense que pour un politologue, on rentre dans tous nos domaines, d'ailleurs. Les deux, bien sûr. Oui, on est tous confrontés à la complexité. Donc, on va dire, effectivement, il faut aujourd'hui concevoir le politique avec l'influence des experts, avec l'influence, avec le jus du lobbying, avec effectivement des acteurs importants, divers et variés, qui peuvent jouer et influencer le politique. Je crois qu'on peut s'arrêter peut-être à ce constat qui ne balaye pas la question en expliquant qu'on est dans une totale paranoïa, qui a, je crois, grâce à vous, montré qu'il y a un vrai sujet d'étude, probablement de régulation, de surveillance, et puis un champ de recherche, alors là, c'est ce que je note aussi, hein, un champ de recherche, pas seulement pour les économistes, et c'est tant mieux. Je vous remercie pour votre participation à cette table ronde. Merci à tous.